Donc encore une fois avec Francis on a fini par avoir gain de cause. Donc on a changé les deux coupelles d'amortisseurs. Il s'avère qu'on a appris au démontage qu'on avait des problèmes avec celle de droite, donc que vous verrez sur la vidéo. Le véhicule avait dû être accidenté sûrement. En tout cas, c'est parti, on a testé, ça fonctionne. Il n'y a plus de couinement dans la direction. On peut tourner des deux côtés sans problème. Donc voilà. Donc on a fait le gauche et le droite. Hein. Vous verrez dans la vidéo comment on fait pour démonter et remonter les coupelles. Donc on a changé deux coupelles neuves, on a rechangé le joint. J'ai dû reprendre une tête d'amortisseur donc sur un autre lot d'amortisseurs que j'avais acheté avant mais qui ne me servait plus en fait. Parce que la tête était carrément bousillée, vous le verrez dans la vidéo. Donc ici pour la coupelle, il faut d'abord sortir l'amortisseur. Vous avez les deux écrous ici, sur les côtés. N'oubliez pas que quand vous le sortez, il faut écarter le flexible de frein et il faut le passer par-dessus l'amorteau. Et pas par en dessous, sinon vous arrachez tout. Et en haut, ici vous avez les trois écrous. Ici, là et là. C'est cela. Le reste c'est après démontage. Il faut enlever d'abord, enfin déplacer légèrement le boîtier de fusible. Vous avez trois écrous de 10, 1, 2 et 3 ici, qui arrivent carrément dans le boîtier là, et dans les deux mains, voilà, qu'on a poussé pour avoir accès à l'amortisseur. Donc ça c'est côté gauche, côté droit il n'y a pas besoin, parce qu'il est à l'air. En train de changer les coupelles là, sur les amortisseurs de la Mitsubishi Space Star. Et du coup le petit souci, c'est ici, vous avez donc une clé de 18 qui est dans le fond, et voilà, si vous n'avez pas cette clé... à œil tordu avec la clé de 8 au dessus, bah vous pouvez pas le sortir finalement, donc ça c'est un petit peu l'handicap. Dans la coupelle morte, donc en fait quand je tournais elle couinait, elle me tordait mon amorteau, c'était la merde. Un roulement, en plus ça durait, ouais, y a un roulement, c'est lui qui était coincé en fait, je sais pas. Et du coup quand je tournais donc ça me forçait sur la direction et du coup fallait que je tienne bien mon volant pour rouler, c'était la merde. Du coup on va mettre la neuve là. Voilà, donc le petit joint qui est là, qu'on va changer par un neuf, et la coupelle. Bon, elle est juste fournie avec les trois écrous, là, elle n'est pas fournie avec l'écrou central, donc il faut remettre le même, l'écrou frein central. Là. On a mis de la graisse, là, et on va remettre un peu de graisse. Bon, je sais pas si on va remonter, ça va être parti. Là, l'état de la coupelle, elle est explosée. On va regarder par rapport à la neuve. Voilà ce qu'on a trouvé. En fait, on voit là, on a remis une rondelle en attendant. Et en fait, c'est bouclé sur le côté, l'amortisseur, il s'est décalé en fait. On a changé la pièce de côté aussi. Après, ouais, la pièce qui est de l'autre côté, on va mettre la neuve après, celle-là. Parce que c'est la coupelle qu'on change. Ça, c'est la tête d'amortisseur qui vient au-dessus directement. Et du coup, c'est elle qui est morte parce que l'amortisseur, il a forcé sur les côtés en fait. Et du coup, ça, il finissait ici. Donc, il n'était pas à sa place. Donc là, on va remettre une rondelle ici, le temps de racheter une tête. Et puis, on va remettre une coupelle neuve avec une tête neuve.